C'est le 23, c'est le 23, c'est le 23. On y est presque, mais pas encore. Aujourd'hui, j'avais envie de t'immerger une troisième fois à la montagne. J'aimerais qu'on se plonge dans des disciplines que la plupart d'entre nous ne feront jamais. Mais c'est toujours intéressant de les découvrir et pourquoi pas, ça peut te donner envie de les faire. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben, on va s'échauffer d'abord. Allez, on va utiliser un peu les bras. Donc, on va faire des cercles vers l'avant. On vient chauffer les épaules. Allez, encore. Des cercles de plus en plus grands. On a de la place ou pas? Allez, encore. Allez. Très bien. On va changer de côté. Allez, on va se mettre à courir. On trottine. Aujourd'hui, on va découvrir les sports que fera jamais, certainement. Ou peut-être, on sait jamais. Mais que la plupart d'entre nous mettront certainement jamais. Soit c'est trop dangereux, soit c'est pas assez, mais pas assez connu. Ok, stop. On va relâcher déjà, étirer un petit peu l'arrière de la cuisse. Voilà, on étire l'arrière de la cuisse gauche. Très bien. Rapidement, on va commencer à chausser les skis. Clac. Clac. On va placer nos deux pieds vers l'avant pour que les pieds soient assez larges. Parce qu'aujourd'hui, on va faire du ski de vitesse. On va placer les mains devant. On va pousser les fesses en arrière. Alors, normalement, en ski de vitesse, on essaie d'avoir une position aérodynamique. Donc, le dos un peu arrondi. On va éviter ça. D'accord? On va garder le dos plat. On va garder les fesses en arrière. Ici, solide sur les jambes. Les deux bras devant. Et on va regarder devant. Ok? Vous lavez la position. Très bien. Aujourd'hui, on va faire aussi du curling. Je vous ai dit de prendre un balai. Donc, vous pouvez en profiter pour balayer la maison. Hein. Ici. Et comme on aime travailler de manière équilibrée, on va le faire des deux côtés. Ok? Pourquoi on a besoin d'un balai? Parce qu'au curling, on a besoin de frotter la glace pour la réchauffer. Allez, attention. On est parti pour le ski de vitesse. On descend dans les jambes. Ici. Bras devant. Deux pieds restent bien orientés vers l'avant, on n'a pas les pieds en ouverture. Et ici, on regarde devant soi. Et comme on aime travailler dur, et on va déjà faire une petite répétition ici. Voilà, c'est comme un squat, mais avec plus d'inclinaison sur l'avant. Les bras sont devant. Allez, on pousse les fesses le plus loin possible en arrière. On regarde devant soi toujours. Et on reste souple sur les jambes. Et en même temps, on est solide. Ok, on arrive sur le curling. On vient d'imaginer notre coéquipier vient de lancer. Le palier. Et l'eau, on vient frotter. Et on change de côté. Ça fait. Change. Un pied d'ici. Et on change. Une fois je change de pied. Une fois pied droit devant. Une fois pied gauche derrière. Allez. Très bien, dernière fois. Ok, on attaque le saut à ski à présent. On retrouve les skis. On prend la vitesse. On décolle ou pas? Ah. Jump. Allez. 3, 2, 1, sautez. Allez, boum. Regardez. Laisse en arrière, les mains orientées vers le centre. Hop. Et on retrouve cette position bien droite, arme poussée. Au décollage. Hop là. Ok, stop. Après le saut à ski, on attaque le skeleton. Ici, c'est comme les muges. Au début, on prend la vitesse, on pousse dans la glace, normalement on court, hein. Et ensuite, dès qu'on a pris assez d'élan, et bien tout simplement, on se jette sur notre luge et on tire les bras en arrière, on décolle les pieds ici et on s'équilibre tout simplement avec les bras, les jambes, on garde devant soi et on lâche. Ok, on est reparti maintenant pour une course en raquette. En imaginant des raquettes, on va faire des grands pas. Allez, on pose le pied, on amortit, on passe sans poser dans la neige. Les pieds sont assez larges, sinon les deux pieds se touchent. Allez, on marche large. On pousse dans le sol, droite, gauche, super. On retrouve sur notre ski de vitesse, on place les deux pieds vers l'avant et on va chercher les sensations de descente.
254,95 km/h. C'est le record du monde. C'est Ivan Origol qui le détient. Allez, on va essayer de le battre. Il s'arrête plus dans les jambes. Position aérodynamique. Les dernières secondes. Allez. Parfait, on va retrouver bientôt le balai. Allez, c'est bon. Change. Va vite. Hop là. On réchauffe la glace pour faire glisser un peu mieux notre caillou. Allez, encore. Une fois à droite, une fois à gauche. On termine sur ça. Ok, stop. Prêt pour le décollage. Allez, on prend la vitesse. On pousse de cette manière. Jump. Quand vous voulez. On va ça. On reste. Sauter. On reste. Allez. Jump. Wow. Allez, on prend la vitesse. Et on décolle. Wow. Très bien. On prend la vitesse. On décolle. Wow. Ok, stop. On relâche. On prend la vitesse. On se fait. Allez. Rapide. Ici, on accélère. On regarde vers le sol, on matérialise notre sprint avec des grimpeurs et ensuite on va hop, se jeter sur notre luge. On pousse les pieds arrière et on regarde devant. Allez, on peut se diriger ici, hop, à droite, à gauche, à droite, à gauche, ok, c'est bon. La course en raquette, ouais, ça existe. Il y a même des compétitions, ça. Allez, encore. Pas trop vite. On fait des grands pas. Gardez les deux pieds larges. Sautez la droite, sautez la gauche. Allez. Ok, stop. Allez, on revient dans le sol. Ça va chuter dans les jambes. On va devant. Petit. Allez. On n'enroule pas le dos, on garde le dos arrondi, allongé. Très bien. Regardez devant, et tout au centre. On reste sur cette position aérodynamique. On reste dans les talons. Allez, encore. Dans les talons. On reste bien sur l'arrière, on travaille le muscle du dos, on travaille les cuisses. Ok. On passe au curling. Change. Ouais, je peux en profiter pour faire le balai dans la maison. Le balai à faire avancer pèse 20 kg. Voilà, c'est tout juste pour la petite information. Et c'est du granit. Allez, frotte, on va avancer. On le relâche. Et c'est parti. Ouais, bon, reste pas très longtemps là. Allez, que la puissance de Stéphane Kraft soit dans vos jambes. Allez, on décolle. 253,5 m. Ah, j'avais noté. Ok, on relâche. Est-ce qu'on a une petite chose? Rapide. Allez, première partie. Pour aller vite, pour prendre la vitesse. Un max de vitesse. Sprint. Et on est parti. On tire les bras en arrière, le long du corps. On pousse les pieds, le pied loin derrière. On regarde dans le sol toujours. On pousse le bassin dans le sol. Et on relâche. Parfait. Là, on se remet. C'est parti. Très bien. Allez, on lâche bien. On pousse. Très bien. Allez, dernier tour. On revient. C'est large. Les petits, passe pour travailler les jambes.
Touchous. Jusqu'au bas. Pas de virage. Touchous. On garde attention forte dans les jambes. J'ai le 90 degrés. C'est comme la squat finalement. Si tu sais faire le squat, tu sais faire le ski. Allez. 3 secondes. Change. 3, 2, 1, change. Encore. Voilà. Appuie dans le sol. Casse pas le balai quand même. Encore deux fois. Voilà. Quand tu veux, quand tu veux. Il n'y a pas de limite. Allez, on pousse. Hop, et on amortit. On va essayer de repousser les pieds vers l'extérieur. Hop là. Allez, on ouvre les skis pour prendre l'air. C'est dur. On relâche. Allez. Bam, 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 en bas. Allez, on colle les bras, on pousse les pieds, on regarde devant et on bouge plus. Oh. On revient. De nouveau. Oula. Plus de son. Ah, bah voilà, c'est bon. On est mort. On va marcher un petit peu avec les raquettes. On va se balader tranquillement. Oh, j'espère que l'entraînement t'a plu. On va jeter les raquettes, on arrive sur le bitume. On va venir placer la jambe droite derrière. On pousse la main droite vers le haut. On s'incline sur le côté. On revient. On pivote les épaules. On inspire. On glisse les mains vers le bas. En direction du pied. On relâche la tête. Puis on déroule. Hop là. On fait la même chose de l'autre côté. Placer le pied gauche. Derrière, la main gauche vers le haut, on s'incline sur la droite et on revient. On pivote les épaules, on inspire et sur l'expiration, je descends les mains vers le bas. Ah, touche pas le sol, moi. Ça touche le sol, toi. Ça touche pas. Voilà, on étire le dos, on étire l'arrière de la cuisse, on déroule. Hop là, on va venir étirer l'avant de la cuisse à présent. On pousse bien fort le genou vers le bas. Et on change de côté. On attrape la cheville, on pousse le genou vers le sol. On se grandit. Parfait. On relâche, on va étirer les adducteurs. On écarte les pieds, on fléchit la jambe gauche. On vient ici. On fléchit la jambe droite, on allonge la jambe gauche. Voilà. Ok, on va relâcher un peu le haut du corps pour les dernières secondes. Pivoter à droite, à gauche. Et on relâche. Bravo Cindy, bravo à toi. MadFit Team, bravo, je suis fier de toi, tu peux être très fier de toi. Maintenant, tu connais tout. La prochaine fois que tu iras au sport d'hiver, un jour, tu seras au top du top, j'en suis persuadé. C'est le 24 demain, on va pouvoir chanter Petit Papa Noël. Et vive le vent et mon gros sapin, roi des forêts. Mais d'ici là, bonne récup, restons connectés, motivés, toujours prêts à te donner. Allez, salut!